Alors, si j'ai accepté de faire aujourd'hui un pitch à coup de chat, une présentation, c'est parce que ce que je vois autour de ce projet-là est pour moi quelque chose qui a énormément de potentiel, un potentiel très grand pour peut-être être un lieu, un de ces lieux où le futur de l'humanité, le futur de nos façons de vivre ensemble, pourra s'inventer. Qu'est-ce qui stimule mon travail? Moi, je travaille parce que j'ai des enfants. Sinon, je m'en irais dans le bois, puis je serais tout seul ou avec ma blonde, puis je serais bien heureux. Mais mes enfants, quand je les vois, quand on voyage autour du monde ensemble, quand on est la fin de semaine en vacances en nature, c'est là que j'ai le plus de bonheur. Et je me dis, je veux que ces enfants-là puissent vivre dans un monde juste, un monde agréable, un monde dans lequel ils auront des choix. On fait le constat, je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs parmi vous, plusieurs dans le monde. On vit sur une planète fermée, une planète qu'on est en train d'épuiser, une planète qui ne pourra pas accueillir tous les humains si on veut vivre un mode de vie comme celui qu'on vit, nous, en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il va donc falloir faire des choix de société, des choix ensemble. Et ces choix-là ne sont pas simples. On a une capacité technologique incroyable. On peut résoudre la plupart des problèmes techniques, à part Fukushima ou des plateformes de forage qui explosent. Encore là, on réussit à finir par les résoudre. Mais socialement, dans nos façons de fonctionner en société, nous sommes encore des barbares. On est même incapable de tenir une réunion et de s'entendre à la fin de la réunion sur quelles sont les priorités et qu'est-ce qu'on va faire, alors qu'on dit qu'on est capable de résoudre tous les problèmes de la planète. Et ça, la pensée, donc, il faut s'ouvrir à la pensée complexe. Et la pensée complexe, c'est accepter qu'on n'est pas capable de prédire le futur tout le temps et qu'on ne s'entend pas la plupart du temps sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'on devrait faire. Ce qui fait qu'on est dans des situations complexes la plupart du temps. Et si on agit comme si tout était simple, donc en cherchant des solutions simples, des quick fix à tout, on se dirige vers le chaos et on le voit, ça apparaît à plusieurs endroits dans le monde. Parce qu'il n'y a pas de réponse simple à des problèmes complexes. Il faut, comme disait Einstein, chercher à rendre le tout le plus simple possible, mais pas plus. Quand on veut sursimplifier, on tombe dans le populisme et ça cause plusieurs problèmes. C'est pour ça qu'on doit s'ouvrir à la collaboration, à la co-création. Il va falloir ensemble décider quel sera notre avenir en tant qu'humanité. Et pour réussir à le faire, il y a trois types d'ouverture qu'on se doit d'avoir. L'ouverture de l'esprit, pour accepter de comprendre la complexité sociale du monde et faire taire la voix du jugement. L'ouverture du cœur pour accepter d'entrer en relation avec mon voisin, même s'il n'a pas les mêmes idées que moi, puis même s'il est différent que moi, pour faire taire la voix du cynisme et se remettre à croire, à avoir espoir dans le futur de l'humanité. Et enfin, l'ouverture de la volonté pour accepter de prendre la responsabilité de faire ce que l'on croit que l'on doit faire. Et de le faire avec les autres, et de le faire même si on est quatre, parce que c'est souvent des petits groupes qui donnent naissance aux initiatives qui ont le potentiel de changer le monde. Mais tout ça, c'est beau. On parle de collaboration, on parle du web collaboratif, du web social. Est-ce que c'est assez fort pour changer le monde? Peut-être pas. Ça prend des lieux dans lesquels vont se cristalliser cette ouverture de l'esprit, du cœur et de la volonté. Ces lieux qui auront le potentiel de nous rassembler et de nous permettre ensemble de commencer à imaginer, à créer des prototypes du futur, que ce soit très local ou que ce soit mondial. Et ces lieux-là, il y en a qui commencent à exister. Je vous donne quelques exemples. Le Guggenheim à Bilbao, où sur les terrasses du musée, on est capable de réunir plus de 1000 personnes avec des World Café, méthode d'animation qu'on a déjà fait avec des gens de communautique ici, pour imaginer le futur de la ville de Bilbao et faire que les gens apprennent à se connaître et à discuter. On en voit une autre ici, même dans des lieux totalement morts, au Centre des congrès de Québec, où en décembre dernier, des salles de réunion, on a réussi pendant une journée à créer un laboratoire d'innovation ouverte, Québec en mode solution, où 10 problèmes très complexes ont progressé de manière radicale, parce que plutôt que de faire de l'innovation seulement par le web, l'innovation ouverte, on a réuni des innovateurs, des gens, et par des processus de collaboration dans un lieu conçu pour eux, parce qu'on avait créé un laboratoire, on a réussi à avancer. D'autres photos d'exemples de lieux de dialogue, de lieux de cristallisation de la volonté commune qu'on peut faire un peu partout, même dans des endroits qui ne sont pas conçus pour ça. Et c'est pour ça que je vous dis, si on peut concevoir des lieux dans lesquels on pourra cristalliser cette intention-là commune et permettre déjà aux gens de se connecter, il y a beaucoup de potentiel. Mon lieu favori, concret dans le nord du Québec, au Mouchouanipi, sur la rivière Georges, pendant quelques semaines dans l'été,
camp traditionnel Innu, dans lequel, l'été dernier, par exemple, on a amené des acteurs du Plan Nord. On a le sous-ministre responsable du Plan Nord qui est là d'ailleurs, des Innu, des écologistes, des industriels, pour ensemble essayer de commencer à imaginer le futur du Nord. Et ça, c'est des lieux qu'on a créés qui nous permettent de le faire. Mais ici, dans l'église Saint-Marc, quel lieu veut-on créer? Tout est possible. Il y a un petit dépliant, il y a une brochure qui est là pour dire qu'est-ce que ça pourrait être. Mais si on vous a réunis aujourd'hui, c'est justement pour rêver qu'est-ce que c'est ce lieu-là. Et c'est différent pour chacun d'entre vous. On va essayer de révéler une intention commune. Mais avant de tout de suite passer aux réponses, c'est important de se poser les bonnes questions. Et je vous laisse un petit moment, je prends mon temps, pour lire les questions suivantes et commencer à y répondre, vous-même dans votre tête. Merci et je vous lance l'invitation d'ensemble ne pas avoir peur de rêver pour peut-être commencer à donner naissance à un lieu qui aura le potentiel de créer une société plus durable, plus juste, plus résiliente. Merci beaucoup.